Salut guys, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Je commence un petit vlog aujourd'hui. On est samedi, il est 7h07. Je suis vraiment chez Samy à Magogne. Parce qu'on va visiter des appartements à Montréal. On en visite 6 ou 7 aujourd'hui. Je me souviens comme plus trop. On avait fait un pacte, moi puis Samy. Si jamais j'arrivais pas en retard, c'est-à-dire avant 7h15, on prenait son char. Sinon, on prenait mon char. Alors moi, j'allais prendre mon char surtout à Montréal. Puis j'ai peur qu'il me lâche, honnêtement. Donc, on n'a pas pris mon char. Fait que là, je m'en vais dans son char. Fait que je suis avec moi dans une visite d'appartement. Bon matin, Samy. T'es au printemps. Starbucks. Fait que là, on a faim un petit peu, peut-être au Starbucks. J'aurais dû voir s'il me reste de l'argent. Je pense que oui. Mais c'est 8$. Mon rêve, moi j'ai plus de LTE, je veux même pas voir. Bon matin, c'est un Starbucks. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Samy, ça te coûte combien, toi? 11$, toi. 12$, mais j'ai 8$ de cash cadeau, fait que ça me coûte 2$. Bon, donc j'ai pris un. Non, ça c'est Samy. Oui, c'est moi. Okay. Samy, elle a pris un espresso secoué à la cassonade. Moi, j'ai pris un macchiato glacé. Hey, moi, je comprends caramel. Pas ça le matin, c'est tellement super. Non, je le trouve vraiment bon, moi, les macchiatos. Puis regardez comment il est beau. C'est vrai qu'il est beau, mais il est tout crusty. Mais non, j'ai pris un sandwich. F, gouda et bacon. C'est comme un espèce de petit McMuffin, là, bref. Puis Samy, elle a pris un croissant. What the fuck? On dirait que je la juge à côté. On arrive dans la grande ville. Dans 13 minutes. Fait que le premier, il est dans Hochelag. Le deuxième aussi. Il est un peu plus tard, le deuxième. Fait que je sais pas. Ouais, j'avoue. On ira visiter notre prochain quartier. On dirait que je serais dans Hochelag. Ouais, tu serais. En tout cas, fait qu'on a bien envie d'aller voir ça. On dirait que je suis vraiment plus optimiste que la première fois. Ouais, c'est vrai. Toi, tu penses qu'on va sortir de Montréal avec un appart aujourd'hui? Croisons-nous. Premier appartement, on est arrivé, la gang. C'est dans 10 minutes. On est un petit peu stressé. Je sais pas pourquoi, mais moi, je suis fucking stressé live. On est vraiment, vraiment bien situé. On est à 5 minutes de marche d'un métro. Nice. Ce qui est comme vraiment notre rêve, on va se le dire. Puis notre but, c'est pas le temps d'amener notre char. Ça m'a l'air vraiment cutie. Fait que c'est comme plus là-bas, l'appart, là. Mais ouais, fait que, on dirait que le vibe montréalais nous parle. Parce qu'on avait visité les apparts, là, là, 2 semaines. Puis, tu sais, c'était comme plus, juste genre le quartier, ça fitait moins, mettons, le vibe. Mais ça, je suis confiant. Très, très confiant. Regardez ça, comment c'est tout mignon, le petit coin. Il y a genre des terrasses. Hey, c'est fou, là. Il y a même 2 terrasses. Oh my god, check le stand. La gang, on vient de finir notre première visite d'appartement. On est en crise, pas pour l'appartement, pour ça. On vient de pogner un ticket parce qu'on est parqué une place qu'on n'avait pas remarqué, qui est une place de débarcadère seulement pour les personnes à mobilité réduite. Combien de dollars, vous pensez? 322 fucking dollars. Puis le pire, c'est qu'on l'a vu, la police était drette. Là, on est comme sorti de la visite. Là, moi, j'avais vraiment envie, j'ai d'ailleurs encore fucking envie de pisser. Fait que là, on était comme, on va essayer d'aller trouver une place pour aller pisser. Fait qu'en galant, pour y aller, on a comme vu le policier sortir et mettre ce charmant petit bout de papier. Mais en fait, sur le char, Samy, on était genre tabarnak. Oh, ça va genre nous coûter 108 piastres. 322 piastres, ça n'a pas d'allure. Exact. Merci. Update de l'appartement. On dirait qu'on est un petit peu découragé, je vous dirais. C'était pas à ce quoi on s'attendait. C'était quand même beau. Par contre, où est-ce qu'on était situé, c'était un peu sketch. Tu sais, genre, quand tu te sens pas confortable, tu te sens pas en sécurité, mettons, là. Ben, on veut pas emménager dans le deux quand même, là. Peut-être que certains nous disent qu'on est piqué. On n'est pas piqué, c'est juste que si on se sent pas en sécurité. C'est ça, faut qu'on se sente bien, ouais. Là, dans notre prochain enfant. Fait que, c'est ça. Puis là, il nous en reste un, possiblement deux, c'est pas encore sûr. On dirait que je suis pas tant confiant qu'on va partir avec un appartement. Ici aujourd'hui. Update la gang, nous repartons bredouille. Bon, fait que j'ai pas filmé dans celle-là. Le dernier appart c'était genre mon coup de cœur. Samy aussi. Vraiment beau. Mais comme si on le prend, ça serait une réflexion zéro judicieuse parce qu'il nous coûterait à peu près 1 300 $ chaque par mois, ce qui est quand même cher là. Si on va être honnête, on fera pas 80 000 par année, mettons. Si on était hyper loin d'un métro. Ouais, vraiment loin d'un métro. C'était comme. On était dans Rosemont, pas le beau Rosemont, comme pas super cute. Ça aurait pas été stratégique. Pas la meilleure des soins qu'on aurait pris. Il était vraiment beau, fait que on repart de Montréal. Mais là, on continue le vlog, là, mais on va aller déjeuner. Pas déjeuner, on va aller dîner. Il est déjà 1h30, j'ai faim là. Ouais, on commence pas à être un peu désespéré, mais un peu. Parce qu'on se dit, tu sais, on s'est jamais rendu à comme faire une offre, mettons. Une offre, vous comprenez? Fait que je comprends que genre c'est vraiment une situation économique difficile, mais aussi une situation de logement qu'il n'y en a pas. Difficile. La crise du logement. La crise du logement, littéralement.
Bon, la gang, on vient de se trouver notre place de parking. Là, je vous montre ça parce qu'on vient de payer le parking. Fait, regardez, c'est ça qu'on veut, nous, de Montréal. C'est pas ça, t'sais. C'est ça. Ben là, on est vraiment sur la rue Saint-Denis. Ouais. C'est tout là où il y a les bars et tout. Mais genre, tu sais, it's giving. Montréal. People. It's giving, genre, plein. T'sais, on n'aurait pas peur, genre, d'habiter ici. C'est ça. Mais bon. Fait que là, on s'en va soupe, legit souper. Là. Il est 3h, on a fucking faim. Genre, on est à pied au Starbucks ce matin, chercher de quoi manger. Christ. Fait que là, on y va. On sait pas trop où on voulait aller, dans une petite. Pas une buvette, mais genre une micro-brasserie. Je pense qu'on va traverser l'autre bord puis on va voir ce qui nous donne envie. Ce qui nous parle. Bon, on est venu manger au. Aruba, je sais pas comment ça s'appelle, mais on a pris un entrée de quesadillas, on avait tellement faim, au poulet. Ça a l'air vraiment bon. Bon, ma famille, on a pris la même chose, on a pris des tacos. Oh, miam, il y a genre des petites chips. Ouais, je t'en. Des tacos au porc et filet. Fait que voilà, bon appétit. Hello, hello la gang, bon je suis de retour de Montréal et je suis complètement brûlé, là il est genre 8h, fait qu'on a fait la route, c'est ça après d'aller au Sephora. Ah, en fait j'étais même pas filmé 00, on est allé au Sephora, comme ça c'était la vente de Sephora, comme vous avez probablement vu passer, c'était en 10 à 20% de rabais. Moi j'achète pas assez là-bas, là, fait que je suis comme juste 10% de rabais, mais c'est quand même là, Sephora ils font jamais de vente, pas mal, fait que c'est ça, c'est 10% sur tout le site, puis ben sur tout le en magasin, puis je suis vraiment content parce que j'avais une carte cadeau, les parents après m'avaient donné à Noël une carte cadeau du Starbucks, puis du Sephora, puis j'avais pas encore utilisé. Je voulais attendre pour l'utiliser pour genre un item slash deux que genre je voulais vraiment. Je vais vous montrer ce que je me suis acheté. Je me suis acheté deux items. Fait qu'en tout, ça m'a juste coûté comme 8$ de ma poche, ce qui est vraiment pas cher, on s'entend. Parce que en tout, ça a coûté 68. Fait que comme la carte de 60$ était genre dépensée là-dedans, mais je suis vraiment down. Fait qu'en premier, je me suis pris le Balm Duncum, qui est la marque Glossier. J'ai jamais testé aucun des produits Glossier. C'est une marque que j'aime vraiment beaucoup visuellement. Je trouve vraiment que les emballages sont beaux, les produits aussi. Fait que voici l'emballage. Fait que en fait, c'est un baume à lèvres que je me suis acheté. Je pensais qu'il était plus cher que ça, il était juste 19$. Vous savez la grosse tune en ce moment pour les baumes à lèvres, genre vraiment cher, genre les Summer Fridays et tout. J'ai failli m'en acheter un, ça vient s'en acheter un. Mais là, je trouve ça quand même cher. Avec les taxes, ça revient genre 37$ pour un baume à lèvres. Je trouve ça vraiment dispendieux. Le format par contre il est plus gros que celui-là. Lui on a 15 ml, puis là-bas je pense que c'est 15 g. Fait que c'est un peu plus. Mais pas de temps, tu sais, les Summer Fridays sont vraiment chers, puis il était juste 19. Fait que moi j'ai pris comme ça. J'ai pris la sorte mangue. Moi je les ai jamais testés. Fait qu'on va les tester ensemble. Je vais vous montrer dans le bout. En bout comme ça, là, vraiment un bout assez standard. Puis le produit. Je pense qu'il est un peu rosé. On va voir sur mes lèvres qu'est-ce que ça fait. Ça sent bon. My god. Je l'aime là. Wow. Ça s'applique super bien. Puis il y a comme pas vraiment de couleur là. Peut-être un peu rosé, mais vraiment pas. Je l'ai pas de quoi de teinté. Fait que voilà. Pour le premier produit. Puis le deuxième, c'est un produit que j'ai depuis vraiment longtemps. C'est un nouvel anti-cerne. Le mien que j'ai ici de chez Too Faced. Ben j'ai arrêté, je l'ai presque fini. Je pense pas que je l'ai presque fini, mais comme je l'ai quand même entendu beaucoup, je l'ai depuis cet été. Fait que je l'ai quand même souvent. Mais c'est le Cossas, comme ça. Vous en avez sûrement entendu parler. Super, super populaire sur TikTok. Moi j'aime vraiment la marque Cossas. J'ai jamais testé leur produit encore, mais j'aime vraiment comme leur valeur, puis comme tout ce qu'ils font, leur branding et tout. Correcteur super crémeux et éclaircissant. Puis j'ai entendu dire qu'il était très 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 hydratant. Moi j'ai quand même le contour d'œil un peu sèche, honnêtement. Fait que je trouve que ça va vraiment aider. Puis l'embout, il est comme ça. Fait que. Il est moins gros que l'embout que j'ai en ce moment. Le mien du Too Faced est comme plus gros, lui est comme plus petit. Fait que j'ai hâte de voir. Je l'ai pris dans la teinte 0.7C. Fait que very light with pink undertone. Fait que très léger avec des sous-tons rosés. Moi, ma peau est quand même assez rosée. Elle est plus rosée que jaune, tu sais. Fait que c'est pas la teinte la plus claire. J'aurais peut-être pris la teinte la plus claire, mais il en restait plus. Fait que j'ai pris l'autre teinte, mais je pense que ça va être parfait, là. Surtout que je me mets des gouttes auto-bronzantes puis du Nuda, ben, j'étais un petit peu plus bronzé. Fait qu'on va probablement l'essayer ensemble demain, mais, c'est ça, la teinte ici, là, si jamais vous voulez voir. Fait que voilà, c'était le petit haul de Sephora. Fait que sur une toute autre note, là, moi, je vais aller me laver. Je vais me maquiller, je vais me laver les cheveux, là. Je me mets comme la pommade, pour que mes cheveux restent de même. Fait que, on dirait que ça fait qu'ils sont comme un petit peu plus gras. Fait que je vais venir dormir ici ce soir, puis ça va être une petite, cozy night, là, 8h, je suis vraiment down. Je vais prendre ça vraiment relax ce soir. Hello, hello la gang, on est dimanche matin. Non, matin, on est vraiment pas le matin, on est plus l'après-midi. J'étais allé déjeuner ce matin avec M. On est allé bruncher, c'était vraiment le fun. On est allé à un petit café qui est local ici à Sherbrooke, qui est le café Aragon. C'était super bon, j'ai mangé une assiette de brunch assez standard là, avec pain, bacon et tout. Fait que là, je viens de faire mon petit café glacé, on est aussi allé magasiner un petit peu. J'ai rien acheté sauf du café. J'avais plus du tout de café Nespresso ici. Le seul qui me restait, c'était lui ici, qui est comme plus orangé, là, rouge. C'est ma mère qui m'a donné, elle m'a donné une boîte, c'est une noisette, j'y ai pas encore goûté.
sont comme plus gros là, c'est des 250 ml je crois. Fait que ça fait en sorte que dans des cafés glacés, c'est comme moins, on mange moins vu que tu mets comme plus de lait puis tu mets comme de la glace. Fait que en tout cas, j'ai fait le plein de 4 boîtes de café. Donc j'ai acheté 2 boîtes du ici Double Espresso Chiaro, comme ça ici. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est M justement qui le buvait souvent. Puis quand elle venait ici télétravailler, j'y goûtais puis il était vraiment bon honnêtement. J'aime vraiment ça les Double Espresso. Fait que je me suis pris 2 boîtes de ça. Puis je me suis aussi pris ma boîte de mon café comme tout le temps typique là, qui est le Bianco de Pio. Fait que ça c'est comme un café qui est en fait plus pour les lattés, les cappuccinos et tout, donc pour mettre plus de lait. Fait que pour les cafés glacés aussi c'est le fun. Puis un dans le même genre là, c'est le Ice Leggero. Donc Leggero pour les cafés glacés, même un petit peu moins classique que ça. Honnêtement je sais pas trop c'est quoi la différence entre les deux. Mais bon, fait que lui c'est le Leggero glacé, justement fait pour les cafés glacés. Fait qu'on va faire un petit chier, j'ai pas encore goûté. Il est vraiment bon ça, le double espresso est vraiment vraiment bon. Fait que là c'est un beau dimanche là, ensoleillé, il fait vraiment beau dehors en ce moment là. Il n'y a pas encore de soleil dans l'appart, ça va être plus en fin d'après-midi. Mais là je vais m'installer un petit peu pour travailler, j'ai quelques petites choses à faire. La gang, je crois que c'est le retour des séances de travail à l'extérieur. Mais voilà, fait que j'avais acheté mon ticket au Winners. Puis le tapis aussi je crois, il est rendu un peu plus vraiment coloré là, puis la table un petit peu maganée, mais en tout cas je l'aime vraiment, je pense que je vais l'en nettoyer un petit peu. Fait que j'ai amené les affaires, je vais aller travailler dehors un petit peu. Puis là j'en vais souper chez mes parents, puis j'amène tout ça d'orange à ma mère. Fait que j'en ai tellement beaucoup là, j'ai vraiment fait le gros ménage dans mon garde-robe. Puis je me suis débarrassé de plein d'affaires, genre fait plein de chemises que je mets plus, des t-shirts, des tricots, des paires de jeans, bref. Fait que j'ai genre ces 4 sacs là qui sont complètement pleins. Je suis installé, puis on va travailler un petit peu. Hello, hello tout le monde! On est lundi, oui, on est lundi. Il est à peu près midi et demi, puis c'est ça, je suis en train de travailler en ce moment. Puis là, j'ai reçu un autre colis de la part de You To The People. Je pensais pas qu'elle allait me renvoyer un autre colis. Puis je me disais que j'allais commencer le vlog en vous envoyant ça. Je suis désolé pour ceux qui aiment pas les unboxings. J'ai l'impression que dans mon dernier vlog, j'ai fait que ça. J'en ai unboxé 3. Mais moi, j'adore ça, écouter ces affaires-là. Fait qu'on va ouvrir ensemble. Je pensais qu'il m'envoyait juste le nouveau sérum. Oh my god! Ok, yes, il y a 2 nouveaux produits, mon rêve! Wow, You To The People, the true beauty is unity, the beauty of standing together. Oh my god! Un cleanser, je pense que lui, c'est lui qui ferait utilise beaucoup pis qu'il va être jaloux. Fait que ça, c'est le Green Tea Vitamin Serum Superfood Cleanser. Ah, c'est de leur nouvelle gamme Superfood, donc ben nice! En plus, j'ai presque mon nettoyant que j'utilise en ce moment. Oh my god, la bouteille est en vitre la gang. Tellement la qualité, fait que c'est au kale puis au thé vert et épinard avec des vitamines à l'intérieur. Vraiment avec la petite pompe comme ça, j'ai tellement hâte de le tester. Puis la crème, je suis tellement content, en vrai j'en reviens pas. La crème hydratante de chez You To The People, la Superfood Air Whip Moisturizing Cream. Je pense que cette gamme-là existait avant, mais là c'est le nouveau sérum qu'ils ont lancé. Elle sent bonne, elle sent comme vraiment naturel, un peu comme le sérum. Je vous ai comme pas fait de review, mais je l'ai testé le sérum, puis je l'aime vraiment, 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 vraiment. Je dis vraiment pas juste ça parce que j'ai reçu les produits. J'ai trop hâte d'utiliser la crème, j'ai beaucoup de crème ces temps-ci qu'il faut que j'utilise. Je sais pas si c'est les bonnes doses, moi, que ça devrait être correct. Puis moi, opinion populaire, j'aime quand même ça, les pots où est-ce que tu peux comme prendre la crème directement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas ça, trop pas ça très hygiénique, mais moi, je trouve que justement on voit quand il en reste plus, tu sais. Tandis que des contenants comme opaque ou avec une pompe, on ne le voit pas. Fait que merci full, You To The People. Je suis donc bien down. Hey, je suis tellement grateful de recevoir des beaux produits là, de belles marques de même. Là, on dirait que moi, j'en viens pas. Bref. Sur ça, je finis le unboxing. Je me remets à travailler. Oh my god, j'entends. Je capote. Je capote pour des affaires aujourd'hui. Je pense qu'on a trouvé notre appartement à Montréal. Bon, vous avez vu, on est allé visiter les appartements samedi, puis on pensait que c'était pas si concluant que ça, honnêtement. On a pris le temps d'y réfléchir, peser les pots pis les comptes des visites qu'on avait faites et tout. Puis il y en a un qui nous a quand même toujours été dans la tête parce que, bon, il est un petit peu, comment je dirais ça, pas conventionnel, mais on l'avait vraiment beaucoup aimé, puis c'est le logement qui n'est pas terminé d'être rénové du tout en ce moment. On avait la difficulté à s'imaginer, à le visualiser, mais là, c'est ça. On pensait pas nettement qu'on allait peut-être la possibilité de l'avoir parce qu'il était censé, je pense que le gars disait qu'il avait genre 230 visites en fin de semaine. Là, Samy, elle a pris une chance ce matin, on s'est reparlé, puis elle a pris une chance d'y réécrire pour voir, puis il reste des académies disponibles. Le gars, il était super fin, il avait tiré à l'UDS, bref, on avait vraiment un bon vibe avec lui. Puis le quartier aussi où est-ce qu'on était, il était super proche dans le métro. En tout cas, bon, c'est là qu'on a pas une étiquette, mais ça, c'est un autre détail. Fait que c'est ça, on pensait pas qu'il allait en rester. Ce qui nous freinait un petit peu, c'était l'augmentation au travers des années du fait que c'est un immeuble qui est neuf. Par contre, on a comparé avec le gars et tout, puis bon, il peut pas rien nous garantir, évidemment. Je pense que dans ces situations-là, c'est un peu un genre, tu prends une chance et tout, mais qu'il allait suivre, en fait, l'augmentation allait suivre un petit peu l'inflation
normal, un petit peu des appartements, puis qu'il n'y aurait pas nécessairement avoir des augmentations frauduleuses, genre de 1000 pièces par mois, t'sais. Parce que nous, c'est ça qui nous stressait. Puis on est commencé, ça sera un problème pour plus tard. Mais on a possiblement notre appartement. En tout cas, on a envoyé tous les papiers, puis tout. Il reste juste l'enquête de crédit, voir si c'est fait. Puis c'est ça. J'ai vraiment de voir. Il y a comme deux étages. Il y a comme une chambre en bas, au sous-sol, avec comme une salle de bain. Puis en haut, il y a genre le reste et tout. Super rénové. Genre, la terrasse, c'est magnifique. Il y a un colis, c'est-tu pour moi? Non, je crois pas que c'est pour moi. En tout cas, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel. Puis on se sentait bien dans le quartier. Je pense que c'est ça qui est super important. Il était est-ce tout dans Hochelaga. On avait un petit peu peur, honnêtement, au début d'Hochelaga, parce que j'ai l'impression que c'est très mal vu ou peu importe. Mais finalement, vraiment nice parce qu'on était situé. Puis on se sentait vraiment bien. Je pense que Hochelaga c'était pire avant. C'est maintenant, c'est rendu comme plus correct. Fait que c'est ça, la gang. On a possiblement notre appart. Je suis un peu stressé, mais je sais pas que ça va fonctionner. Le dossier appartement clos pour l'instant. L'autre truc pour que je suis bien excité, ok? C'est l'éclipse solaire. C'est aujourd'hui. Là, c'est toi que vous aussi, que vous l'avez regardé. Je sais pas comment je l'ai regardé ou pas, mais où est-ce que je suis situé en ce moment? Il y a vraiment comme une belle vue pis tout. Fait que je vais pouvoir la regarder du balcon. Je vais vraiment bien voir le soleil. J'ai tellement hâte de voir ça ressemble à quoi. J'ai jamais vu que ça comme vous aussi, là. Mais là, j'ai mes lunettes. Ah, c'est qu'on est laid avec ça. Genre, je pensais pas que ça ressemblait à ça. Je pensais pas que c'était en carton. Puis je pensais pas qu'on voyait autant rien dedans. Genre, rien. Je trouve qu'on a l'air tellement maillet. Comme, c'est clair que on va regarder ça d'un point de vue externe. Mettons quelqu'un d'un point de vue externe qui regarde ça, on doit avoir l'air vraiment niaiseux d'avoir tout ça d'en face puis regarder le ciel, tu sais. Oh my god, la gang, ça commence. Hey, j'étais tellement excité, là, j'en reviens pas. Hey, c'est drôle. What the fuck, la gang, il y a un avion, là. Je suis comme, c'est quand même dangereux. Genre, ça va full lit dans l'éclipse. Yo, là, il fait noir dans mon appart, là. Alors, je l'ai pas regardé tout le long, là. Je vais être honnête avec vous parce qu'à un moment donné, que ça vient de m'en faire, mais j'ai hâte de voir quand il va faire totalement noir, genre. On dirait que ça mindfuck, genre. Comme, tu vois qu'il fait clair, mais qu'il fait noir, tu sais. Oh my god, hey, y'en reste pas gros. Hey, j'en reviens pas. Oh my god, la gang, j'en reviens pas. What the fuck? L'éclipse. Wow. Wow. Hey, c'était pas long. Oh my god, hey, c'était pas long. Je pense qu'on peut pas regarder, je m'en foutrais. Bon, je retrouve avec ma cam, là, j'ai pas le soleil devant moi. Je me suis comme pas empêché de regarder avec pas de lunettes. Je sais que c'est vraiment bad. Peut-être que je vais être aveugle, mais j'assume les conséquences de mon acte. Comme c'est crazy, là. Hey, il faisait noir, là. Genre les oiseaux là, genre j'étais comme sur mon balcon pis les oiseaux ils s'en venaient, j'avais peur qu'ils me foncent dessus. Genre eux là sont déstabilisés ben raides là. J'entends dire que les animaux retournaient se coucher pendant l'éclipse parce qu'ils comprenaient pas ce qui se passait. C'était beau mais c'était surtout genre incompréhensible t'sais. Ce que je trouve le plus bizarre c'est que on voit juste une petite portion du soleil là. C'est fou ce que la Terre fait t'sais. On dirait que genre on le prend tellement pour acquis. Tous les phénomènes météorologiques, tous les phénomènes naturels qui se passent, genre une éclipse qui peuvent le prévoir. T'sais, dans avant, là, tu fais pas prévoir ça une éclipse là. Genre les gens devaient rien comprendre le back in the days. Je suis tellement content de l'avoir vécu, on dirait que. Je sais pas. On en parlait, mais. Aïe, quand il faisait noir. Ah, en tout cas. Hello hello la gang! On est quelques jours plus tard avec hello. La chip. Pis, fait que, on s'est fait une petite date. Viens ici, là. On s'est fait une petite date night pizza. Donc, filme-moi. Avec plaisir. Voilà. C'est des petites pizzas qu'on a faites sur des pains. Pita. Non, pas pita. Tortilla. Ouais, tortilla. Multigrain. Fait que, ça m'a l'air. Regardez ça. Sec, 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 sec. Puis, on a aussi des petites croquettes. Parce que Kevin voulait mettre ça comme viande, ça, sa pizza. Ouais. On avait pas de pepperoni ni rien. Puis, ouais. Petit hack. Avec des sauts. Tu ris de moi, mais tu vas dire oh my god, ça va bien. C'est vraiment les mêmes. Ah, finalement, j'en veux smack ça. T'en veux stapiste? Ouais. Je sais pas si je vous ai déjà dit ça, la gang, je ne crois pas. Mais l'année passée, pas Noël, ça en est l'année passée. Tu l'avais dit. Je l'ai dit. Parce que dans le temps, je te suivais. Que Fred, avant, je sais pas si tu savais, mais Fred, c'était mon plus grand fan, c'était mon abonné le plus fidèle. Pendant notre échange cadeau, elle m'avait pigé, puis là, elle m'avait donné genre des 3-4 petites bouteilles de même de mousseux, puis il fallait que je mette mes goals avant le début de l'année. J'avais marqué goal, bon, on voit que t'étais pas la priorité, c'était le goal numéro 2. Je pense que le premier, c'est avoir des collabs. C'était avoir une relation amoureuse, et c'est réalisé dans la dernière année. Donc, techniquement, il aurait fallu qu'on le boive dans la dernière année, mais, qu'est-ce que je voulais, mieux vaut tard que jamais, nous allons goûter un petit Jipichenet 20 mousseux. Des petites coupes cheap de même? Ou les grosses? Les petites cheap. Est-ce que c'est laid des petites coupes de même? On a ça à job aussi. Ah, pas de paix. Non.
Non, moi je trouve ça bon. Hello, hello, nouvelle journée aujourd'hui. On est, en fait, je viens de finir ma journée de travail, on est jeudi soir. Je trouve que la semaine est longue aujourd'hui. Cette semaine, on dirait que vu que les deux dans la semaine, c'était des semaines de 4 jours, on dirait qu'une semaine de 5 jours, je trouve ça long. Là, j'étais en train de déballer un petit colis, puis je me suis dit que j'allais filmer. C'est de la part de CB3LAC, ils sont trop fins. Ils m'ont envoyé la nouveauté, qui est framboise, je crois. Bref, j'ai jamais goûté. Oui, c'est pas vrai, j'ai déjà goûté un peu leur drink, mais pas full. Et c'est leur nouveauté, framboise bleue limonade, si je me trompe pas. Tadam! Oui, un petit 4 pack là, je suis trop down. Waouh, elle est tellement belle, regardez ça. Fait que c'est le nouveau gin limonade, miam, gin framboise bleue, comme ça. Fait que ça m'a l'air vraiment bon. Puis regardez la bouteille, la canette comme elle est belle. Ils font tout le temps des super belles canettes. J'ai bien hâte de tester ça. D'après moi, ça va être un bon petit drink d'été. Ça risque d'être assez sucré par contre, mais j'imagine que ça va être super bon. Au planning ce soir, on s'en va aussi boire, moi puis mes amis. On s'en va seulement prendre un petit verre habituellement. Le jeu de soir, on sort puis on saoule, je vous le dis bien franchement. Mais pas ce soir, ça va vraiment juste prendre un verre comme en mode un verre maximum. Moi honnêtement, ça me tente pas d'être hangover demain matin. On dirait que ça fait une couple de semaines que le vendredi matin, je trouve la journée un petit peu plus rough parce que je suis un peu hangover. Puis là, ça ne me tente pas de vivre ce feeling-là aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais demain matin. What's up people? Bon, je suis avec Emily. Puis on est en mode get ready with me. On doit partir dans 20 minutes à peu près. Oh, j'ai abusé. Un peu plus de blend. Parce qu'elle me vole tous mes produits. Elle m'a dit de me voler ce blush-là C. Ça serait quoi ton rating sur 10? Je l'aime vraiment. La couleur me fait très bien. Ouais. La creaminess. La formula. Est vraiment creamy, tu comprends? Mm-hmm. Puis. Elle est quand même thick. Oui, très thick. Vraiment, c'est spongieux sur sur la pommette. Next step, j'avais appliqué le Elf Hello Glow. Ça, c'est mon produit préféré. Ah oui, ça fait un bon teint bien bronzé. Mais j'ai voulu me lâcher tantôt, ça m'a surpris le prix, 17$. Tu trouves ça cher? Ben, pour du Elf, oui. Parce que moi, j'ai connu Elf, genre quand ça se vendait au Dolo à comme 3$. Dolo? Oui, oui. Le Charlotte Berry, qui est le dos, puis coûte 70. Hey! Ça fait pas vraiment le courant, c'est juste un petit glow. On est maintenant rendu à une étape super importante, c'est-à-dire le nouveau Kosas. Le nouveau concealer, je ne l'ai pas utilisé depuis, on est jeudi soir, et je l'ai acheté samedi passé. Fait que ça fait un petit bout, je ne l'ai toujours pas testé. Je vais faire un review TikTok avec, mais regardez, on fait ça ensemble, vous et moi. J'ai beaucoup d'expectations. Oh, très crémeux. Hey my god, je comprends ce qu'il veut dire. Ok, mais il est tellement crémeux, la gang, mais j'aime vraiment ça. Je pense que je comprends le hype. J'exagère pas, là. Je te jure, j'adore ça. Je l'aime vraiment. Ah oui? Vraiment. Il blend full bien, j'imagine. Ouais, fucking. Yes. C'est tellement meilleur puis plus beau quand genre je mets comme le lait avant puis après ça le café. On va faire mon petit dîner slash déjeuner ensemble pendant que je vous parle. Donc on est dimanche aujourd'hui, il est à peu près midi. Je me suis levé vers à peu près 10h30, là je me suis levé quand même tard. J'étais vraiment fatigué là pendant les derniers jours, j'étais brûlé. Genre je suis comme sorti vendredi soir, fait comme on dirait que j'avais besoin de beaucoup de repos. Fait qu'aujourd'hui c'est une journée full ensoleillée, il fait full beau, je suis vraiment content. J'ai travaillé sur la vidéo que vous êtes en train de regarder pour potentiellement pouvoir la poster le plus rapidement possible. Au niveau update appartement, la gang, ça va super bien. En tout cas, on a potentiellement trouvé notre appart. On est retourné le visiter hier. Puis on a potentiellement l'appartement, il est réservé pour nous. On va juste regarder un petit peu. Il est pas parfait, il y a quelques inconvénients. Au niveau comme la grandeur, il est vraiment pas grand. Tu sais, moi j'ai la chance ici à Chabot d'avoir un appartement qui est énorme. Genre pour vrai, il est vraiment cool mon appart. Là. Genre je suis vraiment chanceux, tu sais, comme il y a la place et tout. Mais à Montréal en ce moment, genre le marché des appartements, vous le savez, est vraiment en mode pénurie. Il y en a juste pas. On a pas besoin de prendre des décisions, puis qu'il y a certains trucs qui écopent. Fait que là, ça va probablement être plus la grandeur de l'appartement qui est quand même petit. Il est quand même fait sur 2 étages. En fait, l'appartement n'est pas terminé en ce moment. Fait que ça va être complètement neuf. Je pense que ça va probablement être lui, c'est à voir un petit peu là. En tout cas, c'est ça, il y a comme quelques petits inconvénients. Dans notre budget, dans un beau quartier, il est situé à 5 minutes à pied d'un métro, ce qui est quand même pas négligeable. Il y a une belle terrasse sur le toit. Je vous l'avais déjà filmé, mais c'est lui proche du stade olympique. Pour vrai, il est vraiment, vraiment, vraiment beau. Puis c'est juste qu'il est comme plus petit. Moi, ça me dérange pas trop, honnêtement. Moi, je suis vraiment en mode, si jamais on le prend pas, on n'aura pas d'appart. Parce qu'en vrai, il est réservé pour nous. Puis je trouve qu'on est vraiment chanceux de tout ça, t'sais. Donc, à voir, mais je pense que ça va être cet appartement-là. On l'aurait pour le 1er août. C'est parfait parce que moi, mon appartement ici à Sherbrooke, je l'ai jusqu'au 1er août, justement. Fait que voilà, sur ce, moi, je vais peut-être terminer la vidéo ici. Je sais pas. Je vais exporter les clips. Puis on verra voir quel est le footage. Mais probablement, fait que moi je vais manger. Fait que j'ai mon petit café glacé, puis mon petit dîner
ici comme ça. Fait que merci full d'avoir écouté la vidéo, la gang. Je suis vraiment reconnaissant de vous avoir encore. On dirait que des fois, j'ai l'impression que je vous le dis pas assez souvent. Mais je suis vraiment grateful pour toutes les personnes qui écoutent ces vidéos-là. Je mets beaucoup d'efforts et je suis content que vous aimez mon travail. Fait que voilà, sur ce, je vous laisse. Puis bien, on se retrouve super bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Tell me what you wanna do.